À toutes nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne la vérité pour notre temps nous vous saluons bien entendu par le nom de jésus christ notre seigneur nous souhaitons que la bénédiction de l'éternel repose sur chacun de vous en abondance comme nous le répétons souvent n'oubliez pas de partager cette étude n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de liker euh, pour permettre à notre chaîne d'être visible et de qu'un maximum de personnes puissent écouter ces études et euh, pouvoir étudier, mettre en pratique la parole de Dieu par sa grâce. Notre sujet sera toujours euh, basé sur le sanctuaire. Aujourd'hui, le volet concernera le grand prêtre et les douze pierres. Nous avons vu la dernière fois les fautes, le vêtement bleu, cette tunique que possédait le sacrificateur, euh, surmontée de deux épaulettes, une à droite, une à gauche, sur lesquelles il y avait le nom des douze tribus des fils d'Israël gravés euh, sur une pierre d'Onyx particulièrement. Alors aujourd'hui, notre but sera de découvrir pour quelle raison il y a douze pierres sur ce pectoral euh, porté sur la poitrine du souverain sacrificateur. Alors je vais vous demander une attention particulière. Prenez déjà papier, crayons, vos bibles, pour que nous puissions partager cette étude comme il le faut et que vous puissiez analyser, réviser correctement, dans le but vous-même par la suite de partager aussi ces vérités essentielles. Avant tout, nous allons prendre la position pour la prière, pour invoquer la présence de notre Dieu. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te remercier pour ta grâce, ta bienveillance, ton amour, ta patience envers nous. Veuille nous éclairer, Seigneur, par ton Saint-Esprit et nous aider à marcher dans la vérité. Donne-nous de renoncer aux œuvres de la chair et de pratiquer la justice chaque jour et que nous soyons non pas une pierre d'achoppement, mais un moyen de bénédiction par ta grâce. Que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses permettre à tous ceux qui sont sincères de se rapprocher de toi et de marcher dans la vérité. C'est là notre prière, Père éternel, au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà, alors nous vous allons, nous irons droit au but, chers amis, nous allons tout de suite commencer notre étude, je vais vous inviter euh, à aller avec moi dans Exode 28, à partir du verset 15, c'est-à-dire l'autre partie que nous avions étudiée la dernière fois. Le texte nous dit ceci, « Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé, tu le feras du même travail que les faudes. tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin retors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un épan et sa largeur d'un épan. Tu y enchasseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres, première rangée, une sardoine une topazine émeraude, seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura douze, d'après les noms des fils d'Israël. Ils seront gravés comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. Ici, nous voyons déjà qu'il y a une ressemblance par rapport aux épaulettes, c'est-à-dire que le nom des douze tribus sont gravés comme un sceau, comme un cachet, cette fois-ci sur le pectoral. Alors, nous voyons par deux fois que le nom des tribus d'Israël sont gravés sur les épaulettes de l'éphone, et sur le pectoral. Ceci doit avoir une signification pour nous encore plus importante, chers amis, pour nous montrer que Dieu tient compte de cette tribu. Dieu a une mission pour cette tribu, une mission particulière, comme nous l'avons dit euh, lors de l'étude précédente. Poursuivons au verset 29 pour apporter d'autres explications. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'urim et le tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Fin de citation. Donc ici, nous voyons que Aaron, le grand souverain et sacrificateur, qui officiait une fois par an dans le sanctuaire, Devait porter sur son cœur le nom des fils d'Israël. Le fait de porter ces pierres sur son cœur montre par là qu'ils ont une valeur considérable pour le souverain sacrificateur, autrement dit pour Dieu lui-même qui a instauré ce système cérémoniel. En d'autres termes, l'Éternel porte ces douze tribus sur son cœur comme un peuple qui chérit particulièrement. D'autre part, ces douze tribus sont gravées sur le pectoral du jugement. Pourquoi Quel message cela a pour nous, pectoral du jugement? Ceci montre non seulement que le sacrificateur, c'est lui qui est en mesure de juger, mais que pour autant, sur son cœur, gravé sur le pectoral du jugement, les douze pierres représentant les douze tribus d'Israël, montrent par là que les douze tribus doivent aussi participer au jugement. Donc, tout ceci nous montre que les douze tribus ont un rôle à jouer dans le sanctuaire de Dieu. Vous noterez que particulièrement, une tribu avait pris le sacerdoce en main par, par le fait que l'Éternel avait choisi cette tribu. Nous reviendrons dessus dans quelques instants. Okay? D'autre part, joint au pectoral, il y avait ce qu'on appelle l'urim et le tumim. Ces objets avaient pour but de révéler au grand prêtre et au peuple la volonté de Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur répondait aux questions posées soit par une auréole de lumière entourant la gemme de droite en signe d'approbation ou de consentement, soit par une ombre enveloppant la gemme de gauche en signe de désapprobation ou de refus. Donc c'est comme ça que les enfants d'Israël, particulièrement le grand souverain sacrificateur, consultaient l'Éternel pour savoir si tel offrande était agréé ou pas. Donc ça c'est pour l'ouïe mais l'audition il n'y a pas beaucoup de, de choses à dire dessus mais notre but particulièrement c'est de comprendre le sujet des douze pierres qui sont posées sur le cœur du souvent un sacrificateur à travers le pectoral. Vous garderez à l'esprit que le pectoral est un élément totalement carré. Ceci a une importance que nous verrons tout à l'heure. Donc, ce pectoral, suspendu par des cordons bleus attachés à des boucles, était garni sur quatre rangées de douze pierres précieuses, lesquelles étaient gravées, comme sur les gemmes des épaulettes, le nom des douze tribus. En poursuivant, le fait que le pectoral était composé de plusieurs de ces pierres, logiquement, chacune d'elles avait un éclat particulier qui s'ajoutait à la beauté de l'ensemble, hein, d'accord Donc, chacune des pierres avait une signification spéciale et était porteuse d'un message divin important. Vous pourrez lire cela dans le livre évangélisé à la page 342. Euh, le texte nous dit qu'effectivement, il y avait plusieurs pierres, mais un seul pectoral. De même, il y a toute une variété d'esprits, mais un seul esprit. L'Église comporte plusieurs membres, dont chacun possède ses caractéristiques particulières, mais ces membres constituent une seule famille. Donc, le fait qu'il y ait douze montre que l'Église de Dieu comporte... Plusieurs membres, plusieurs types de, de caractères différents, plusieurs types d'esprits, etc. Mais tous doivent se coordonner pour former une seule famille. Donc, il y a un message aussi à travers cela pour montrer que l'Éternel doit avoir un peuple qui s'unit pour former la véritable famille de Dieu. Donc, ce sont des éléments aussi à prendre en compte. Mais il n'y a pas que ces éléments-là, hein, vous l'avez compris. Plus nous avançons, plus nous apporterons des évidences. Et rappelez-vous que le texte nous disait que qu'à propos du grand prêtre à Aaron, qu'il devrait porter sur son cœur le nom des fils d'Israël pour en conserver toujours le souvenir devant l'Éternel. Lors de notre étude précédente, nous avions touché ce point concernant cet aspect de souvenir et nous avons montré que de même que la parole de Dieu nous, nous dit de nous souvenir du sabbat pour le sanctifier et nous avons vu qu'au cours de l'histoire le sabbat a été aboli et que par la suite il a été rétabli. De même, euh, concernant les douze tribus, ils ont été dispersés à travers le monde. Nul ne sait où ils sont. Et par conséquent, de même que pour le sabbat, qui, qui doit durer à perpétuité, euh, d'où la notion de souvenir, l'Éternel de même doit rétablir les douze tribus. À un moment donné, c'est pour, en quelque sorte, nous rappeler qu'il ne... Qui n'a qu pas oublié que nous non plus ne devons pas oublier les douze tribus parce qu'ils ont un rôle à jouer, comme le sabbat a un rôle à jouer dans notre vie. D'accord Voilà en gros le point pour juste refaire euh, le, le petit résumé concernant le fait de se souvenir des douze tribus. Donc, de même qu'Aaron, qui préfigurait Jésus-Christ, porte ces douze tribus sur son cœur, nous, ses serviteurs ici-bas, nous devrions être aussi remplis de sollicitude, d'amour envers nos semblables, malgré les différences de caractère, malgré le fait que nous soyons tous différents, mais il nous demande, comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'être unis dans la vérité, de marcher ensemble comme un seul homme. Voilà un deuxième aspect qui nous montre pour quelle raison l'Éternel porte les douze tribus sur son cœur. C'est pour nous donner une leçon à nous-mêmes pour que nous soyons semblables à Jésus, que nous puissions partager autant d'amour que Christ nous a donné envers nos semblables. Ok. Alors maintenant, nous entrerons un petit peu plus en profondeur dans cette étude, dans le but d'avoir plus d'éléments pour nous aider à comprendre véritablement pourquoi les douze tribus se trouvent dans le sanctuaire de Dieu. Alors, pour cela, nous allons dans Exode 19, verset 3 à 6. Et Moïse monta vers Dieu, car l'Éternel l'avait appelé de la montagne pour lui dire, Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu annonceras ceci aux enfants d'Israël. Pause. Notez bien que l'Éternel a donné un message à Moïse pour qu'à son tour, il parle à la maison de Jacob. Qui dit maison de Jacob dit douze tribus. Et il leur dit, tu annonceras ceci aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il va annoncer Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens Comme je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi Maintenant donc, si vous obéissez exactement à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, quoique toute la terre m'appartienne. Pose. Le message est quoi Si vous faites ma volonté, si vous obéissez exactement à ma voix, qu'est-ce que vous serez Vous serez un peuple choisi en quelque sorte. Le texte nous montre ici que bien que les nations appartiennent à l'éternel, bien que la terre appartienne à l'éternel, il a fait le choix d'Israël comme étant pour lui un joyau précieux. Tout ceci pour nous montrer que lorsque l'Éternel fait un choix, il ne revient pas sur sa décision. D'où la raison qu'il porte les douze tribus sur son cœur, particulièrement dans le sanctuaire, dans le lieu très saint du sanctuaire. Tout ceci nous montre que bien qu'Israël faillira à sa mission pendant un certain temps, pendant un nombre de jours, mais qu'à la fin des temps, Israël sera rétabli pour être la lumière du monde. Israël sera rétabli comme étant un joyau pour l'éternel. Nous ferons le lien tout à l'heure avec un autre texte pour montrer pour quelle raison Israël doit être un joyau. Nous poursuivons au verset 6. « Et vous me serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Ce sont là les discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. Par conséquent, l'Éternel dit à Moïse que ce peuple-là, s'il me reste fidèle, il sera premièrement un joyau, mais il sera aussi ce peuple-là un royaume de sacrificateurs. Pourquoi faire, chers amis Non seulement cela, il sera une nation sainte. Il dit, voilà, c'est ce message que j'adresse au peuple d'Israël. Par conséquent, l'Éternel nous dit ici. Que la maison de Jacob doit devenir un royaume de sacrificateurs et non seulement cela une nation sainte parmi tous les autres peuples de la terre. Vous nous suivez jusque là Donc vous comprenez que pour devenir sacrificateur, euh, ce n'est pas donné à n'importe qui puisque vous rappelez que seule la tribu de Lévi était en droit d'officier dans le sanctuaire. Les autres tribus n'en avaient pas le droit. Donc la tribu de Lévi avait été choisie pour une raison particulière, qui est la suivante. Rappelez-vous que lors de l'érection du Vaudor, seule la tribu de Lévi n'avait pas adoré le d'or C'est pour cette raison que l'Éternel, à travers Moïse, a choisi cette tribu-là. Pourtant, Lévi n'était pas le premier-né, le premier enfant de Jacob. La sacrificature, le droit d'aînesse revient toujours au premier né. Et Lévi n'était pas le premier né. Pourtant, l'Éternel l'a choisi, tout ceci pour nous montrer que dans l'antitype, l'Éternel choisira aussi ceux qui ne se prosterneront pas, qui n'adoreront pas de Vaudor, qui ne se prosterneront pas devant Baal. Alors, à travers le texte d'Exode, la question est pour quel, dans quel but justement l'Éternel veut que son peuple, soit un royaume de sacrificateurs, soit une nation sainte. Pour quelle raison y a-t-il une raison à cela Quel message l'Éternel a à faire passer à travers cela Pour comprendre, nous irons dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 et 3. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 et 3. Le texte nous dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Et si c'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges Ici, nous voyons que les saints doivent juger le monde. Et non seulement le monde, mais aussi les anges. Qui avait le pouvoir d'officier dans le but de juger les tribus d'Israël Les Lévites. Vous nous suivez Les Lévites. Pour preuve, nous lisons Deutéronome 17, versets 8 à 10. Si une cause relative à un meurtre, à un différent, à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Verset 9. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras. À ceux qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tous ceux qu'ils t'enseigneront. Fin de citation. Donc ici, nous avons une confirmation que ce sont les Lévites qui jugeaient les différents cas qui se produisaient au sein du peuple d'Israël. Par conséquent, l'Éternel nous dit ici que dans le but futur de juger les mondes ainsi que les anges, il nous faut devenir des sacrificateurs. Mais il nous dit, seuls ceux qui seront sacrificateurs, c'est ceux qui font quoi? Ceux qui obéissent exactement à sa voix, ceux qui gardent son alliance. Autrement dit, celui qui ne garde pas l'alliance de Dieu, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, ne peut pas prétendre être sacrificateur. OK? Donc, comprenez bien que pour juger, il faut être sacrificateur. Et la raison pour laquelle les douze tribus sont dans le sanctuaire, c'est parce qu'ils doivent juger le monde. Le but pour lequel les douze tribus se trouvent aussi dans le sanctuaire, sur le pectoral du jugement, montre par là qu'ils doivent, à leur tour, juger le monde. Ils doivent être le moyen par lequel le monde sera sauvé. Quand nous parlons de jugement ici, ce n'est pas le jugement où nous nous pouvons dire coupables, non coupables. Non. Lorsque nous parlons de jugement, ou encore, comme nous venons de le dire, le moyen de sauver l'humanité, c'est que ces douze tribus-là seront ceux qui permettront aux autres nations, particulièrement, particulièrement la grande foule, de prendre la décision, c'est-à-dire faire le choix d'où juger. Faire le choix, faire avoir un bon jugement pour venir vers l'Éternel ou aller vers la bête et son image. Vous nous suivez? C'est dans ce sens que nous parlons de jugement. Et ils seront aussi le moyen qui permettra à cette grande foule de renoncer au péché et de choisir Jésus Christ, la porte du sanctuaire par laquelle tous devront passer pour être sauvés. Qu'est-ce qui nous permet de dire cela Allons dans Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10. Le texte nous dit « Et il chantait un nouveau cantique en disant » Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été mis à mort et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, langue, peuple et nation. Écoutez bien le verset 10. Et tu nous as fait quoi Wa. Tu nous as fait wa et sacrificateur à notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Ici, il y a deux points à retenir. Notez que, selon Exode 19, verset 6, le texte nous dit que la maison de Jacob sera un royaume de sacrificateurs. Tandis que, dans Apocalypse chapitre 5, il est fait mention non seulement de sacrificateurs, mais de rois. Vous nous suivez donc, l'Éternel montre ici à travers Apocalypse 5 que les rachetés seront non seulement des rois, mais des sacrificateurs. Est-ce tous les rachetés? Parce que rappelez-vous que la majorité, la majorité des, du, du peuple de Dieu doit être sacrificateur. Mais la notion de roi entre en jeu ici pour nous montrer que tous n'auront pas le même titre. Pour quelle raison? Rappelez-vous que dans le sanctuaire, malgré le fait que la tribu de Lévi ait été choisie, mais tous n'occupaient pas la même fonction. Vous nous suivez, chers amis, tous n'occupaient pas la même fonction. Par conséquent, ici, l'Éternel nous montre qu'une catégorie de sauvés recevra une fonction digne d'être des dirigeants. Autrement dit, le peuple devra passer par ses dirigeants choisis par Dieu dans le but d'obtenir grâce devant l'Éternel. D'où le fait que le prêtre officier pour le peuple dans le lieu très saint du sanctuaire. Vous nous suivez jusque-là, j'espère. Analysez bien qu'il y a notion de roi et de sacrificateur. Poursuivons pour bien comprendre le sujet. Pour savoir qui sont ceux qui sont rois particulièrement. Non seulement ils sont rois, mais ils sont sacrificateurs. Mais comprenons bien la notion de roi. Qui sont ces gens qui sont particulièrement rois Notez bien que selon Apocalypse 5, verset 9, ils chantaient un nouveau cantique. D'accord Qui sont ceux qui chantaient le nouveau cantique Des rachetés. Vous allez bien relire le passage. Mais, comme on l'a dit, il y a... Plusieurs classes de rachetés. Nous avions déjà présenté une étude sur les quatre classes de rachetés. Vous allez revoir cette étude. Et si toutefois, nous allons reprendre des, des, à travers d'autres études, nous allons revenir sur ce sujet pour éclairer volontiers. D'accord Donc, ces gens-là qui seront faits rois, particulièrement les sacrificateurs, doivent chanter un cantique nouveau. Allons dans Apocalypse 14, justement, comme on a dit tout à l'heure, pour comprendre qui sont ces gens. Apocalypse 14, 3 et 4. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été comment Rachetés de la terre. Pose. Ce que nous avons lu dans Apocalypse 5 concerne le jugement. Le jugement. Et que pendant ce jugement, il y a de ceux qui chantent un cantique nouveau. Et la parole de Dieu nous confirme que ceux qui chantent ce cantique nouveau sont du nombre de 144 000. Autrement dit, une classe de rachetés. Suivez-nous attentivement. Et le verset 4 nous dit Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges et suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Pause. Quand nous revenons dans Exode 19 encore, la parole de l'Éternel s'est adressée à Moïse, disant d'annoncer ce message aux enfants d'Israël. Si vous obéissez exactement à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez d'entre tous les peuples non plus précieux joyaux. Par conséquent, les 144 000 ici présentés sont véritablement des joyaux pour Dieu. Pour quelle raison? parce qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de compromis avec le monde, malgré le fait que le mouvement fait des compromis avec le monde, ils sont restés fermes, ils ont soupiré, ils ont gémi à cause des abominations qui se, qui se commettaient, et d'autant plus que dans leur bouche, ils ne s'est pas trouvé de mensonge. Par conséquent, ils sont précieux aux yeux de Dieu ils sont considérés, comme on vient de le dire, comme des précieux joyaux, comme un précieux joyau. Et lorsque nous faisons le lien avec Exode 28, nous voyons effectivement que le fait que les 144 000 soient semblables à des pierres précieuses, effectivement, ils sont représentés en globalité comme étant un joyau pour Dieu. Seules les douze tribus sont représentées par des pierres. Donc, les 144 000 provenant de douze tribus, sont effectivement des pierres précieuses, sont un joyau pour l'Éternel. Malgré le fait que, selon Exode 19, l'Éternel possède les nations de la terre, possède la terre. Donc l'Éternel est en train de nous dire là pour que le sacerdoce puisse être à nouveau en fonction, dans le but d'être des officiants du sanctuaire, pour amener les amas à Christ, l'Éternel dit Voilà, je choisirai des prémices. Il a choisi ceux qui ne se sont pas souillés avec Baal, avec, avec des, des abominations. Selon Romain 11, un texte que nous allons revenir dessus tout à l'heure aussi, selon Romain 11, qu'est-ce que le texte nous dit ici Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Qui c'est qu'il a connu d'avance Israël. Ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte d'Élie Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Ici, l'Éternel veut nous faire comprendre que malgré le fait que son peuple retourne résolument en égypte selon service chrétien page 49 il nous montre à travers l'exemple d'élie qui pensait qu'il était seul à être serviteur de l'éternel l'éternel lui dit non il y a 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant baal quel enseignement devons nous tirer de cette expérience d'élie le seigneur nous montre ici que de même qu'élie Pensait être le seul fidèle observateur du vrai Dieu, l'Éternel lui a fait savoir qu'il y a 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant Baal. De même, dans l'Antitype, l'Éternel nous signale ici que le fait que la condition de son Église soit au plus bas, il a envoyé un messager dans l'esprit et la puissance d'Élie. Revoyez pour cela l'étude sur le sanctuaire concernant la verge d'Aaron. La Vierge qui avait fleuri. Donc, l'Éternel a envoyé un messager pour mettre de l'ordre dans l'Église, pour mettre de l'ordre dans la communauté de Dieu et pour nous signaler qu'il n'y aura pas seulement 7000 hommes qui ne se prosterneront pas devant Baal, c'est-à-dire en faisant des compromis, mais qu'il y aura cette fois-ci 144 000. C'est pour cette raison que l'Éternel a envoyé quelqu'un dans l'esprit et la puissance d'Élie, comme cela s'était produit à l'époque de l'adoration des Baal dans le passé. En, en d'autres termes, l'Éternel nous montre qu'il doit trouver un reste fidèle au sein de sa communauté. Un, un petit nombre qui ne fléchit pas les genoux devant Baal. Donc l'Éternel nous fait savoir vraiment que le sujet des 144 000 est un sujet plus qu'important à considérer. Et nous voyons encore comment l'ennemi a tout fait pour que nous ne comprenions pas ce sujet. Encore une fois, il nous a fallu aller dans le lieu très saint. Donc ce qui sort du lieu très saint doit être pur. Ça doit être une vérité pure, exempte de souillure, qui nous confirme que les 144 000, dans les derniers temps, représentent bel et bien un joyau pour l'Éternel, un ensemble de pierres précieuses. Qui achèveront l'œuvre, ils seront considérés aussi comme étant les ouvriers de la onzième heure. Pour faire retentir le cri, sortez du milieu d'elle, mon peuple. L'Éternel nous montre pas là que pour que les 144 000 deviennent rois, ils ne devront pas fléchir le genou de vos ils devront être un peuple pur, un peuple saint. Alors j'espère que jusque-là, tout ceci est clair, chers amis. Comme nous vous le disons, réécoutez les études, analysez attentivement, ouvrez le plus grand parachute de votre intelligence pour que vous ne puissiez pas vous écraser par terre, pour que vous puissiez arrêter d'avoir des préjugés sur la parole de Dieu, mais d'écouter et d'analyser. On poursuit. Donc tout cela nous amène à comprendre que pour officier avec Christ dans le sanctuaire, d'après 1 Corinthiens 6 que nous avons lu, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Pour juger le monde, il faut être dans le sanctuaire de l'éternel, c'est-à-dire dans le tribunal de Dieu. Et rappelez-vous que le tribunal de Dieu officie en ce moment pour juger premièrement les morts et deuxièmement les vivants dans le but de produire les premiers fruits. Si les 144 000 sont les premiers fruits, s'ils sont ceux qui doivent être rois et sacrificateurs, et que Coinchi nous, nous, nous signale que les saints jugeront le monde, ceci voudrait dire que non seulement les 144 000 jugeront le monde, mais les saints jugeront le monde, mais rappelez-vous d'Apocalypse 5, chers amis, que... Ceux qui seront faits rois et sacrificateurs régneront sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, sur la terre? Et c'est pour cette raison qu'il faut garder chaque chose dans son contexte. Chaque chose dans son contexte. Analysons bien cette phrase du verset 10 d'Apocalypse 5, pour bien comprendre. Comme nous l'avons dit, l'Éternel avait toujours une, un peuple qu'il avait choisi pour officier dans le sanctuaire. Lorsque nous analysons bien cela, les 144 000 étant ceux qui chantent un cantique nouveau, ils doivent, écoutez-nous bien, ils doivent être ceux par qui l'évangile sera prêché dans le monde entier, c'est-à-dire sortez de Babylone, mon peuple, dans le but de faire quoi Dans le but de faire entrer par la porte du tabernacle, c'est-à-dire la porte du sanctuaire, qui est Christ. Comprenez bien, et ça va vous permettre de revenir un petit peu en arrière sur toutes les études que nous avions présentées concernant la porte qui était écrite. Vous voyez, vous vous rappelez Qui était tournée, euh, qui avait donné d'eau au soleil. Vous, vous rappelez de tout cela Révisez si vous n'avez pas écouté ces études-là, nous vous invitons à les réécouter, chers amis. D'accord Donc, je reprends ce que nous disions. Les 144 000 qui doivent être rois et sacrificateurs doivent être ceux par qui l'Évangile se rapprocher dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors ils diront à leurs autres frères plus précisément aux autres tribus puisque notez bien qu'ils sont considérés comme des prémices, autrement dit, des premiers fruits, c'est comme si vous avez un manguier, vous avez pris les premiers fruits, vous n'allez pas abandonner les autres fruits dans le manguier. D'accord Donc, vous devez aller chercher les autres fruits pour que le nombre de mangues soit total, pour que ce que l'Éternel a prévu dans son champ soit complet. Par conséquent, il, comme nous le disions, ils doivent aller chercher les autres tribus qui sont dispersées à travers le monde, ainsi que les nations païennes qui doivent, comme nous l'a signalé Paul, se griffer à l'olivier franc pour les amener à passer par la porte du sanctuaire qui est Christ. Dans le but d'être quoi? D'être purifié dans ce sanctuaire afin qu'il soit aussi pur que les premiers fruits. Vous nous suivez? et pour qu'ils deviennent à leur tour des sacrificateurs pour Dieu et pour l'agneau. Puisque Corinthien nous dit que les saints jugeront le monde, il n'y aura pas seulement une seule catégorie de saints, mais il y aura tous les saints qui jugeront le monde. Par contre, concernant Apocalypse 10, comme nous disions, c'est-à-dire les 144 000 qui seront rois et sacrificateurs, régneront sur la terre dans le but justement d'accomplir cette mission que nous venons de citer. Ils seront... Le moyen par lequel la grande foule passera par la porte qui est Christ. Ils seront aussi une porte, chers amis. Pour quelle raison nous disons cela Pour quelle raison Alors lisons bien ce qui va suivre. Avant tout, lisons Jean 10 pour confirmer la notion de Jésus qui est la porte. Jean 10, versets 8, 9 et 16. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, lorsque Christ prendra les choses en main, les brebis vont entendre sa voix, vont l'écouter à travers son peuple purifié. Et verset 9, il dit, je suis la porte, c'est-à-dire je suis la porte du sanctuaire. Et tous ceux qui doivent passer pour être sauvés, tous ceux qui doivent être sauvés doivent passer par la porte du sanctuaire se plonger dans les eaux du baptême pour être sauvés. Ceci voudrait dire que tous ceux qui seront sauvés doivent être baptisés. Vous nous suivez, chers amis La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, etc. etc. et tous ceux qui croiront seront baptisés seront sauvés. Donc, par conséquent, les 144 000 étant déjà sauvés, étant déjà scellés et sauvés, seront le moyen que Dieu utilisera pour conduire. « Ces autres tribus et les nations païennes à lui. » Je reprends le verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. »« Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Ça voudrait dire, le fait qu'il entre et qu'il sorte, c'est qu'il va entrer impur, il va ressortir pur. Parce qu'il passe dans le tabernacle. Il passe à travers toutes les étapes du tabernacle dans le but de devenir un sacrificateur. Et le verset 16 nous dit, j'ai encore d'autres boibis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Je les amène comment À travers mon peuple purifié, qui sera quoi Un étendard pour les autres nations. Et à partir de ce moment-là, les boibis qui, sont, qui ne sont pas encore dans la bergerie entendront ma voix, c'est-à-dire entendront la voix du, de, de Dieu à travers son peuple purifié. Et à ce moment-là... Il y aura un seul troupeau, euh, c'est-à-dire une nation sainte et un seul berger qui est l'Éternel qui conduira cette nation sainte, chers amis. Vous nous suivez Donc l'Éternel nous dit quoi Que premièrement il est la porte, mais pour que les hommes puissent venir à lui, il va utiliser des humains pour appeler des humains. Et ces humains là seront aussi une porte par qui sera sauvé la grande foule. Parce que c'est eux qui présenteront la vérité de l'Évangile. L'Éternel choisira les prémices pour être rois et sacrificateurs dans le but officier, dans le sanctuaire, c'est-à-dire l'Église purifiée, qui sera érigée à la fin des temps, pour amener d'autres âmes à devenir aussi des sacrificateurs, pas des rois, mais des sacrificateurs. D'accord Et à partir de ce moment-là, lorsque ce message sera prêché dans le monde entier, Esaïe 35 va se trouver son accomplissement, verset 8, il y aura là un chemin fouillé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Pour quelle raison Parce qu'ils passeront par Jésus directement. Lors du message sorti de Babylone, ils entreront dans le sanctuaire pour passer par Jésus dans le but d'être sauvés, d'être baptisés, sauvés, et passer tout leur rite de la connaissance, les peines sans levain, le, le chandelier, etc. Et le texte nous dit, « Elle sera pour eux seuls, c'est-à-dire ceux qui sont purs. » Pourquoi Parce que les impurs, nul impur n'y passera. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Ça veut dire que tous ceux qui accepteront le message « Sortez de Babylone », Deviendront pur en passant par la porte du sanctuaire. Et ceci voudrait dire que même celui qui n'a pas une grande intelligence comprendra la vérité. Pour quelle raison Parce que cette vérité sera proclamée par un peuple, un royaume de rois et de sacrificateurs que Dieu aura préalablement choisi. C'est pour cette raison que les 144 000 ont une importance particulière sur les faudes sur le, le pectoral du jugement, parce qu'ils seront le moyen par qui l'Éternel jugera tous ceux qui entreront dans la bergerie. Vous nous suivez, chers amis Continuons, poursuivons dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, versets 9 à 12. Le texte nous dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. À son admirable lumière. Qui est ce vous, chers amis Ceux qui doivent annoncer les vertus, d'accord De celui qui les a appelés. Et il nous dit quoi Il nous donne une confirmation. Il dit Vous qui autrefois n'étiez pas mon peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous avions parlé de cette étude déjà selon Osée, chers amis. Donc, Pierre est en relation avec Osée 1 et 2. Vous vous rappelez de 1 et 2 Le à LOAMI vous n'êtes pas mon peuple, je ne serai pas votre Dieu. Et après, dans Osé 2, dit, vous êtes mon peuple et je serai votre Dieu. Donc l'Éternel nous dit que ce peuple-là représente les tribus d'Israël. Et le texte continue et nous dit, bien aimé, je vous exhorte comme étranger voyageur sur la terre, puisque le peuple de Dieu n'est pas dans sa patrie, il est dans le désert, nous l'avions déjà expliqué, donc il est voyageur étranger, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire quoi? Verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Donc, nous voyons que le fait d'avoir au milieu des païens une bonne conduite montre qu'il s'agit du peuple de Dieu qui n'est pas représenté par des païens. Okay? Donc ce peuple de Dieu-là doit avoir une attitude correcte au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour quoi où il les visitera, le jour où l'Éternel visitera les païens. Donc cette visitation doit se faire au moment du grand cri par le peuple qui était... Qui n'était pas le peuple de Dieu, mais qui a obtenu miséricorde. Autrement dit, les douze tribus qui doivent chanter ce cantique nouveau. Encore une fois, ce n'est pas par hasard qu'ils se trouvent dans le Très Saint sur le cœur de Dieu. Parce qu'ils ont une mission spéciale à, à, à accomplir pour Dieu dans le but d'amener les âmes à devenir eux des sacrificateurs. Parce que si. Nous ne devenons pas des sacrificateurs, nous ne pourrons pas juger le monde. Nous ne pourrons pas juger les anges corrompus. Ok, chers amis Donc, le jour où l'Éternel visitera les nations, où le message des trois anges ainsi que le message de l'autre ange seront proclamés pour dire « Sortez de Babylone », qu'est-ce qu'il va se faire On va trouver l'accomplissement des et 2 et de Michée 4, qui dit quoi Exemple, Isaïe 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, c'est-à-dire des douze tribus, afin qu'il nous enseigne ses voies. Par conséquent, les douze tribus enseigneront les voies de l'Éternel. Aux nations qui afflueront vers la maison de Dieu, la nouvelle maison de Dieu, la maison purifiée. Alors je reprends, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de on sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Dans les lieux, le reste chez vous. En d'autres termes, l'Éternel nous montre ici que toutes les nations ainsi que le peuple de Dieu formeront un seul peuple une seule maison de l'Éternel. Il n'y aura plus différentes religions qui vont exister, mais un seul peuple au service de l'Éternel à partir de ce moment. Donc l'Éternel nous montre qu'il a un plan à travers les 144 000. Vous allez voir aller au Miché? Vous allez où aller au Miché chez vous Maintenant, faisons d'abord le lien entre les douze pierres et la, la cité de Dieu. Lisons d'abord et nous allons apporter les explications. Apocalypse 21, verset 10 et suivant. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel auprès de, de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes. Notez bien, chers amis, faisons attention, elle avait douze portes. Et sur les portes, douze anges. Et écoutez bien la suite. Et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. Vous voyez pourquoi tout à l'heure nous avons parlé que, du fait que les, les douze tribus doivent être des portes Ils doivent être des portes, c'est-à-dire le moyen que, par lequel les nations viendront vers Dieu. Donc les, la, la muraille de la ville possède douze portes, chers amis, et le nom des douze tribus des fils d'Israël. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont rois, premièrement, et sacrificateurs. Et le fait qu'ils représentent les portes de la cité montre qu'ils seront un moyen de salut pour les nations. Et le verset 13 dit, bon, voilà, trois portes à l'Orient, trois portes au Nord, et trois portes à l'Occident, etc. Mais le verset 14 nous dit que la muraille de la ville avait aussi douze fondements, chers amis. Et ces fondements-là, sur eux, il y avait le nom des douze apôtres de l'agneau. Pas disciples, hein? Douze apôtres de l'agneau. Alors tous ceux qui disent qu'il y a très apôtres là, c'est parce qu'ils ont pris ça, mais il y a un problème. Bon, bref, on va pas rester sur le problème, on va rester sur le fait que la fondation de la nouvelle cité est la même fondation que l'église chrétienne, chers amis. Et que vu que cette église chrétienne n'a pas pu terminer le travail, n'a pas pu terminer l'œuvre, c'est-à-dire la fondation était posée, mais les murs de la maison n'étaient pas encore montés. Les murs de l'église triomphante n'étaient pas encore montés. Par conséquent, ces murs-là, lorsqu'ils seront montés, représenteront une église purifiée, qui sera un symbole de la sainteté de Dieu. Et à ce moment-là, l'église ne sera plus militante, mais triomphante, pour aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Donc l'Éternel nous montre à travers cette étude que la fondation a été posée, mais les murs seront érigés à partir du moment où les douze tribus seront rétablies pour former une maison en l'honneur de l'Éternel, pour former un sanctuaire en l'honneur de l'Éternel, dans le but de permettre aux autres tribus et aux autres nations païennes d'entrer dans ce sanctuaire qui sera formé cette fois-ci. Donc, les douze tribus doivent être rétablies à la fin des temps. Autrement dit, ces douze tribus seront les ouvriers de la onzième heure qui dresseront la maison de Dieu. Pourquoi Parce que le fondement des apôtres est déjà posé. Il reste que le mur à poser et Jésus étant la nuée qui couvre la maison sera le trois pour nous qui ne nous permettra pas d'être brûlés par le soleil ni par la pluie. Pour quelle raison Parce que la maison de Dieu doit être un lieu de refuge pour tous les rachetés tandis que tomberont les fléaux dans le monde. Est-ce que vous nous suivez, chers amis Par conséquent, ce n'est pas par hasard, encore une fois de plus, que les douze tribus doivent être établies. Ce n'est pas par hasard que l'Éternel a commencé la fondation de son Église par les douze apôtres et va terminer la maison par les douze tribus et il va couvrir sa, cette maison-là de sa gloire qui sera le toit, qui sera la protection des enfants de Dieu. OK? Et on manquait bien un autre point. Verset 16. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Revenons brièvement dans l'Exode. Verset 16, Exode 28 verset 16. Le pectoral sera carré et double sa longueur de ne point sa largeur de ne Vous voyez bien qu'il n'y a pas de hasard à cela. L'Éternel est un mathématicien euh, parfait qui fait bien les choses. Il nous montre la similitude qui existe entre le pectoral et la ville. Et ce n'est pas tout. Poursuivons. Il mesura la ville avec le roseau et trouva douze mille stades. D'où les douze tribus des fils d'Israël. D'où les douze apôtres. D'où les douze patriarches. D'accord, chers amis Ok. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Verset 17. Il mesura la ville et trouva 144 quarante coudées. D'où les 144 000, chers amis. L'Éternel ne fait rien par hasard. Aujourd'hui, l'Éternel nous révèle des vérités qui étaient couchées. Et c'est grâce au message d'Élie, chers amis, que ces vérités sont dévoilées aujourd'hui parce que le temps arrive à sa fin et que l'Éternel veut qu'il y ait un peuple qui marche à 100% dans la vérité, qui se conforme à sa parole à 100%. Continuons verset 18 et suivant. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la ville, de la muraille de la ville, étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Vous allez lire les différentes pierres. Et les douze portes, verset 21, étaient douze perles. Donc, le fait qu'ils sont représentés par des pierres précieuses sur le pectoral montre que dans la réalisation de la maison de Dieu, la nouvelle cité, ils sont représentés aussi comme étant douze perles, chaque porte représentant une perle. Chers amis, comprenez-vous mieux le sujet des 144 000 Comprenez-vous que l'Éternel doit avoir des premiers fruits qui sortiront de sa dernière église chrétienne dans le but d'éclairer les païens, dans le but d'attirer à lui, de ramener à lui les boibis perdus de la maison d'Israël, c'est-à-dire les autres tribus, ainsi que les païens convertis au christianisme, chers amis. Toutes ces évidences-là sont là pour montrer que pour que nous soyons des rois particulièrement sacrificateurs, nous devons être les premiers à officier, c'est-à-dire le peuple de Dieu qui garde ses commandements, qui lui est fidèle doit être celui qui officie dans sa maison pour amener les autres à être purifiés. Et ça va nous permettre de comprendre un autre point chers amis, un autre point. Allons dans Apocalypse chapitre 1. Le texte nous parle des sept églises. Apocalypse 1 verset 4 à 6. Jean aux sept églises qui sont en Asie que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est qui était et qui vient et de la part de cet esprit qui sont Devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de, de nos péchés par son sang. Et a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, et à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Chers amis, ici, il n'est pas fait mention de roi. N'oubliez pas, attention, faites attention, portez une attention particulière. Il est fait mention des sept églises. Ça voudrait dire quoi Qu'une fois que le message sera proclamé au monde, et particulièrement aux sept églises, c'est-à-dire les différentes corps religieux qui sont dans le monde, qu'est-ce qui se produira Ils deviendront des sacrificateurs. Vous comprenez mieux ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Donc, les 144 000 qui seront des rois vont présenter le message au monde. Les sept églises entendront ce message et ils deviendront des sacrificateurs, pas des rois, ils deviendront des sacrificateurs, puisque la royauté, le, le droit d'aînés, reviendra aux 144 000. Donc, ceci voudrait dire que les nations, y compris les différents corps religieux, qui accepteront Christ comme leur sauveur personnel, qui entreront par la porte du sanctuaire qui est Christ, deviendront aussi des sacrificateurs. Sinon, ils ne pourront pas juger le monde. Ils ne pourront pas juger les anges. C'est-à-dire, tous les sauvés euh, ne pourront pas juger le monde s'ils ne deviennent des sacrificateurs. On poursuit. Et c'est là que nous avons la confirmation d'Apocalypse 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assurent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, sur leur mains, ils revinrent à la vie et le régneront avec Christ pendant mille ans. Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis, c'est la première résurrection. Verset, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont par la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant Milan. Ici, il y a plusieurs points à voir. Nous n'allons pas nous étaler beaucoup parce que ce n'est pas le, le, le contexte du, de résurrection. Nous ne sommes pas dans le contexte de la résurrection, mais nous allons quand même donner quelques explications. Donc, il y a plusieurs points à considérer. Euh, les âmes de ceux qui avaient été décapitées, c'est-à-dire que ces gens-là doivent ressusciter à cause du témoignage de Jésus et aussi à cause de la parole de Dieu. Et il y a aussi ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image. Donc, ne croyez pas que. Euh, tous ceux qui, qui n'ont pas adoré la bête et son image vont passer par la mort, chers amis. Pourquoi Parce que si la grande foule doit sortir de Babylone, ce ne sont pas des morts qui vont sortir de Babylone, vous le comprenez. Ce sont des vivants. Par conséquent, le texte montre, montre ici, en quelque sorte, pour faire court, que les vivants ne devanceront pas ceux qui sont morts. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Les vivants ne devanceront pas ceux qui sont morts. Par conséquent, entre parenthèses, nous voyons qu'à travers ce texte-là, qu'il n'y a pas d'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance à, à parler d'enlèvement comme si euh, euh, un sera pris par là, un sera enlevé, notre, part, notre à gauche sera enlevé, notre, notre pays sera enlevé. Non, chers amis. L'Apocalypse chapitre 20 nous montre ici qu'une fois que tous les rachetés seront sauvés, avant de monter faire les mille ans au ciel, ils doivent attendre les ressuscités pour que tous ensemble, tous les rachetés, que ce soit les vivants et les ressuscités, ils puissent devenir des sacrificateurs pour Christ. Rappelez-vous, chers amis, les premiers fouilles étaient déjà scellés avant la mise en place de la marque et de l'image de la bête. Retenez bien cela. Je reprends. Ceux qui doivent être rois et sacrificateurs, autrement dit, les 144 000, seront scellés. Aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Ils doivent être scellés avant que les vents ne soient lâchés. Ça, c'est un point très important. Une fois que les vents sont lâchés, ça, ça voudrait dire que les conflits vont euh, amener une détresse sur la terre. La loi du dimanche, etc., tout ça va amener un temps de détresse sur la terre. Donc, logiquement, les 144 000 ne pourront pas adorer la bête ni son image, ni adopter sa mort. Ceci voudrait dire que ceux qui seront susceptibles de le faire, de prendre cette marque ou cette image, sera cette grande foule qui sera mise en demeure de prendre position pour la vérité. Donc, il aura un choix. Soit il prendra la vérité, soit il prendra la marque de la bête. Donc, L'Éternel nous montre là que ceux qui n'ont pas adoré la bête et son image représentent cette grande foule qui aura fait le bon choix. C'est pour cette raison que le texte que nous avons lu au début nous a dit que les saints jugeront le monde, que les saints seront des sacrificateurs dans un Corinthiens 6. Ça voudrait dire que tous ceux qui seront sauvés deviendront des sacrificateurs, même s'ils meurent avant, mais s'ils meurent en Jésus-Christ, ils deviendront des sacrificateurs. Maintenant, pour arriver vers la fin, il y a une notion que nous voulons toucher qui est très importante. Romains 9, verset 27. Isaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce texte-là, ni l'autre texte de Romains 11. OK Qui est ce reste qui sera sauvé Lisons d'abord Romains 11. Pour faire la différence, Romains 11, verset 26 nous dit Ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Alors, un texte qui nous dit Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste sera sauvé. Et Romains toujours nous dit Ainsi tout Israël sera sauvé. N'y a-t-il pas une, une forme de contradiction là, chers amis Un reste sera sauvé et tout Israël sera sauvé. Comment comprendre cela Lisons dans Conseil à l'Église, déjà premièrement, pour savoir qui est ce reste qui sera sauvé. Et notez que Romain 9, verset 27, parle d'Israël comme étant une nation. C'est-à-dire la nation qui a rejeté Christ et qui, malgré le fait qu'elle a été rejetée, il y a eu un reste qui a, qui a suivi Christ à travers Paul, à travers les apôtres, à travers les, les 120 qui étaient là. Ils étaient des juifs. Donc, la parole de dieu nous montre que déjà dans le premier temps dans le type ce reste là a parcouru le monde pour pouvoir faire quoi pour pouvoir apporter l'évangile au monde pour que nous aujourd'hui nous ayons cet évangile là donc ça veut dire que la nation d'une manière particulière a été euh, a perdu le crédit de dieu a perdu la confiance de Dieu par, par le fait qu'elle a désobéi. ok Mais l'Éternel nous dit que ce reste-là dans la nation sera sauvé. Comprenons bien à travers ce que nous allons lire. Dans Conseil à l'Église, chapitre 66 concernant Josué et l'ange. Ce reste fut non seulement pardonné et accepté, mais aussi honoré. Un turban pur est placé sur leur tête. Ils doivent être quoi Un royaume et des sacrificateurs. Ils doivent être quoi Des rois. Et des sacrificateurs, autrement dit. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Corinthiens. OK, chers amis? Donc, si vous avez bien compris le sujet, ce texte ne sera pas compliqué à comprendre. Le texte nous dit Lorsque Satan intensifiait ses accusations, des anges invisibles allaient et venaient plaçant sur les fidèles le sceau du Dieu vivant. Qui sont ceux qui sont marqués du sceau, chers amis? 144 000. Pour quelle raison? Parce qu'ils soupirent et gémissent à cause des abominations qui se commettent dans l'Église. Et c'est pour cette raison que Satan intensifiait ses accusations contre eux. Vous voyez le message d'Élie Lorsque ce message viendra, on dira Jély et de son message, tu es trop pieux, tu n'interprètes pas correctement les Écritures. Laisse-moi te dire comment tu dois interpréter les Écritures. Donc, ces fidèles serviteurs de Dieu qui accepteront les messages d'Élie, seront accusés, c'est-à-dire les assauts de Satan vont s'intensifier contre eux pour dire que ce que vous prêchez est faux, ce que vous enseignez n'est pas correct. Mais le texte nous dit, des anges invisibles allaient et venaient plaçant sur les fidèles qui, qui soupiraient et qui gémissaient le sceau du Dieu vivant. Ce sont ceux qui se tiendront sur la montagne de Sion avec l'agneau et qui porteront sur leur front le nom de Dieu. Qui sont-ils, chers amis ils chanteront un cantique nouveau devant le trône, cantique que nul en dehors des 144 000 rachetés ne peut entonner. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va, etc., etc., etc. Donc, chers amis, ce reste-là, dans l'antitype, représente les véritables chrétiens, les véritables enfants d'Israël qui vous seront comptés du nombre des 144 000. C'est eux ce restent là Bien que la nation juive ait rejeté Christ, l'Éternel a gardé un noyau, la fondation de l'Église chrétienne, qui a pas parcouru le monde, malgré le fait que les apôtres ont été tués, mais les n'ont les, les ont parcouru le monde. Ils ont donné naissance aux Huguenots, ils ont donné naissance aux Vaudois, etc. Qui fait que nous avons la parole pour nous rappeler que l'Éternel doit réunir les douze tribus dans le but d'être des rois. Et des sacrificateurs. Donc, ce reste-là, dans un premier temps, représente ceux qui sont restés fidèles à Jésus-Christ alors que la nation juive a fait son choix de suivre Mammon, de suivre l'ennemi. Dans un deuxième temps, ce reste, nous le lirons dans quelques instants, représente les 144 000, de même que l'Église juive s'est corrompue. Il y a eu un reste. De même, la dernière Église se corrompt et aussi logiquement, il y aura un reste. Donc, un reste au début de l'ère chrétienne, un reste à la fin de l'ère chrétienne. Poursuivons pour apporter le, le, les explications. Et le témoignage pour l'Église, volume 1, page 3, 384, nous dit Le vrai peuple de Dieu, qui a à cœur l'œuvre du salut, l'œuvre du Seigneur le salut des âmes, considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que, que soit fidèlement et clairement révélé le péché qu'il assaille si facilement. Il aura un, un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu, etc., etc. Vous allez lire leur vous. Donc, lorsqu'on fait le lien avec... Corinthiens, lorsqu'on fait le lien avec Apocalypse, lorsqu'on fait le lien avec le Conseil à l'Église, ce que nous venons de lire, nous voyons, chers amis, que parmi le peuple de Dieu, comme cela s'était produit à l'époque des Juifs, il y aura un reste. Vous nous suivez Je reprends. De même qu'à l'époque des Juifs, il y a eu un reste, appelé les apôtres, qui ont édifié la fondation de l'Église. Dans l'Antitype, L'Éternel a choisi une église à travers les sept églises pour être dépositaire de sa parole. Alors, dans cette église-là, l'Éternel prendra ceux qui lui sont fidèles, comme à l'époque d'Élie, comme à l'époque de l'église du premier siècle, pour redorer son image, pour l'exalter, pour l'honorer et pour montrer au monde que malgré toutes les tentatives de l'ennemi, il y a eu un reste qui lui est resté fidèle. Je reprends ça pour que ça soit bien compris. De même que l'Église juive a rejeté, euh, euh, c'était une nation, ils ont été mis de côté et un reste a été sauvé. De même, dans l'Antitype, la communauté de Dieu qui croit qu'elle est, qu'elle sera sauvée parce que elle a tout dans son sein, elle, a, elle, elle est but d'elle-même, concernant l'Église de la Odyssée, l'Éternel dit non, un reste sera sauvé. Et ce reste est du nombre des 144 000. Pour quelle raison? Parce que d'après la promesse que Dieu avait faite à Moïse, rappelez-vous Exode 19 encore, chers amis. Rappelez-vous Exode 19, le message que Dieu avait adressé à, nous, à Moïse. Si, verset 5, si vous obéissez exactement à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau. Donc l'Éternel a parmi les peuples un précieux joyau, chers amis. Et pour revenir pour annoncer, pour apporter l'autre réponse. Donc de même qu'Elie a été le seul qui, est, qui soit resté debout alors qu'il y avait l'abomination au sein du, de, du peuple de Dieu, l'Éternel euh, euh, s'était réservé 7000 hommes, et bien dans l'Antitype, l'Éternel s'est réservé 144 000. Élie est venu, le message d'Élie doit trouver 144 000 personnes, donc Élie ne sera pas seul. Le message des livres va trouver 144 000 oreilles, 100 qui vont l'entendre, qui vont l'écouter, 144 000 genoux qui ne se prosterneront pas devant Baal, et 144 000 bouches qui annonceront le message des trois anges et de l'autre ange. Allons vers verset 7 du chapitre 11 de Romain, qui nous dit ceci. Quoi donc Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été enduits aussi. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Vous voyez la condition Ça rejoint la condition de la l'Odyssée. Il nous faut un collier pour voir. Il nous faut quoi Nous réveiller de notre sommeil. Nous allons un peu plus loin. Nous allons au verset 11 et suivant. Mais je demande Ont-ils bronché pour tomber Nullement. Mais par le chute, le salut est accordé aux gentils les exciter à la jalousie, pour exciter qui pour exciter Israël à la jalousie. Donc, ça voudrait dire que si Israël voit que les gentils vont les devancer, ils vont faire de telle sorte pour que les deux, les gentils, pour qu'ils soient de, toujours devant. Oh, si leur chute est la richesse du monde et leur diminution la richesse des gentils, combien plus sera leur abondance. Car je parle à vous gentils, certes en tant que je suis apôtre des gentils, je rends honorable mon, mon ministère. Pour voir si, en quelque façon, je puis exciter ceux de ma nation à la jalousie et en sauver quelques-uns. Car si leur réjection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception sinon une vie d'entre les morts Ok, donc tout cela pour nous montrer que l'Éternel a choisi les païens, a, a sollicité les païens pour exciter la jalousie de son peuple. Et nous voyons que seuls ceux qui vont comprendre le plan de Dieu vont. Se réveiller, vont avoir le collier pour faire partie des douze tribus d'Israël que Dieu va susciter pour permettre aux gentils, comme à l'époque de Paul, de venir à l'Éternel, pour que ensemble ils puissent former une nation sainte. Puisque le verset 16 nous dit quoi? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc vous voyez les deux classes ici, chers amis. C'est-à-dire les prémices. 144 000, et la masse, la grande foule, qui sera aussi sainte. Et lorsqu'ils se, ils seront tous ensemble, ils seront greffés à la racine, puisque la racine c'est Christ, donc tous nous deviendrons saints, puisque nous serons greffés à l'olivier franc. Non seulement les juifs seront sauvés, mais les gentils seront sauvés aussi, chers amis. Vous nous suivez L'Éternel est en train de dire que tout Israël qui sera sauvé là représente non seulement les juifs christianisés, mais aussi les païens christianisés. Premièrement, son peuple, les juifs. Deuxièmement, les païens. Et comme tous seront greffés à Christ, tous deviendront saints et tous nous serons sacrificateurs, chers amis. Verset 22-23. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, c'est-à-dire les Juifs. Et bonté envers toi, c'est-à-dire les païens. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Ça veut dire que les païens aussi, s'ils ne se conforment pas à Christ, ils seront retranchés. Verset 23. Et de même, c'est-à-dire les Juifs, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter à nouveau. Par conséquent, l'Éternel nous dit là qu'il est prêt à accepter les Juifs qui s'ils reviennent à lui. Mais comme nous savons que 144 000 vont revenir à lui, donc nous n'avons pas de souci avec cela. Alors vous nous direz, mais je ne suis pas juif, je suis français, je suis ceci, mais Dieu seul sait notre généalogie, chers amis. Dieu seul sait qui sont ceux qui sont véritables Juifs et ceux qui ne le sont pas. Ok. Donc l'Éternel nous montre là, à ce moment-là, que. C'est lui qui, qui sait, c'est lui qui va toucher nos cœurs pour revenir à lui. Verset 24, si toi tu as été coupé à l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon la nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, quand vous ignorez ce mystère. Afin que vous ne regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera, sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Donc, par conséquent, chers amis, une fois que les 144 000, les prémices de Dieu, c'est-à-dire Israël racheté, sera réconcilié, sera greffé au tronc, il sera comme une étendard pour les païens. Et à ce moment-là, les païens qui se joindront à eux, qui, se, qui, qui entreront par la porte qui est Jésus-Christ, à ce moment-là, ils formeront tous Israël. Et à ce moment-là, que ce soit juif, que ce soit païen, ils représenteront. Tous Israël, et à ce moment-là, tout Israël sera sauvé, chers amis, parce que tous ceux qui se joindront à l'Éternel seront greffés à la racine qui est Jésus-Christ. Et comme la racine est sainte, forcément, tous deviendront saints. Et comme la racine est chrétienne, Christ chrétien, tous deviendront chrétiens par la grâce de Dieu. Une fois que les 144 000 qui sont dans le sanctuaire aujourd'hui seront debout pour annoncer le message, sorti de Babylone afin que tous deviennent Israël et que à ce moment-là tous soient sauvés et pour devenir des sacrificateurs dans le but de juger Satan. Et à ce moment-là, chers amis, tous les péchés du peuple racheté seront mis sur le bouc Azazel pour qu'il soit détruits totalement, qu'ils soit conduit dans le désert, conduits dans, dans, conduit dans, dans le désert, dans le but d'être détruit définitivement. Alors, plaise à Dieu, chers amis, que nous puissions comprendre cette étude, que nous puissions lutter de toutes les forces que Dieu nous donne si nous faisons partie de la maison de Dieu pour être comptés parmi les 144 000. Et pour ceux qui sont les païens, qui n'ont pas encore, qui, qui vont peut-être écouter, qui n'ont pas encore fait le choix d'entrer dans la bergerie, Tenez-vous prêts, car le, le temps vient où le message sera prêché de sortir de Babylone, de ne pas accepter cette marque, de ne pas faire de compromis avec le monde, pour que vous soyez aussi en, dans la famille de Dieu, afin que tout Israël soit sauvé et que nous soyons tous avec l'Éternel dans le ciel pour juger Satan, pour juger le monde, pour juger les, les, les hommes méchants de ce monde, ainsi que les anges qui nous influençaient pour nous faire pécher. Un dernier texte pour terminer. Le texte nous dit Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable ou ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Alors que Dieu nous aide à lutter de toutes les forces qu'il nous donne pour que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice souillé, mais un sacrifice sain, agréable à Dieu, pour que nous soyons avec l'Éternel, parce que l'Éternel est saint. Donc nous devrions être saints. Et la, dernière, la prochaine fois, nous verrons, nous aborderons le sujet du grand prêtre. Nous allons apporter des évidences encore concernant le grand prêtre. Et ce sera là la fin de, notre, de, 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 de tout notre grand volet sur le saint Alors que Dieu nous aide et qu'il nous garde et que son nom soit glorifié et que euh, euh, sa paix, sa grâce soit pour nous, n'oubliez pas de partager cette étude, chers amis. Et réécoutez-la. Réécoutez-la, réécoutez-la. Réécoutez et prenez des notes, analysez attentivement, mais avant d'écouter les études, priez Dieu afin qu'il puisse ouvrir votre intelligence pour que vous puissiez bien comprendre ce sujet qui est d'une importance capitale. Donc, euh, euh, excusez-moi de revenir encore. Donc, voilà en gros la raison pour laquelle le pectoral était placé sur la poitrine, sur le cœur du souverain sacrificateur qui est autrement Jésus qui doit nous sauver, qui a de l'amour pour son peuple, qui doit racheter son peuple. Alors que l'Éternel nous garde une fois de plus, et qu'il nous bénisse et qu'il nous conduise dans toute la vérité par sa grâce. Et nous vous disons à bientôt, chers amis. Amen. Amen.